minutes. Ah oui. Voilà. Et du coup, Noémie disait on a gardé tous nos objets. Ça, je savais pas. Pourquoi on a tous les objets? Je sais pas, apparemment ça reste. C'est cool, hein? Comment ça se fait qu'on ait ça? Mais c'est quoi qui fait que c'est qu'on a ça? Je suppose que la partie elle a continué. Qu'on n'est pas mort la dernière fois, on est quitté comme ça. On a quitté comme ça. Ah oui, non mais c'est juste parce qu'en fait moi j'étais en train de... J'étais en train de regarder un truc qu'on m'a envoyé où tu vois Palworld, budget 6,5 millions et puis 2 millions de joueurs connectés en même temps. Puis après tu vois derrière Starfield qui tire la gueule, budget 200 millions et puis 10 000 personnes qui jouent. À part ça, Starfield il était très bien, hein, j'ai trouvé. Oui. C'est juste que... Ouais. C'est juste que c'est vrai que Palworld il est incroyable quoi, c'est, l'idée elle est trop bien. Oui. Mais il y en a un autre qui m'intéresse trop, c'est Enshrouded, ça a l'air incroyable. Je connais pas. Bah en fait c'est aussi du survival sauf que c'est avec le côté RPG dedans et puis ils ont fait un monde super grand à découvrir où t'as aussi de la construction, mais sauf que tu peux arriver à un stade où tu construis des châteaux. Vu que c'est médiéval fantastique et en fait selon où tu mets tes points tu peux changer de classe et tu peux même être mage et puis balancer des sorts et tout et puis du squat. Le jeu il est incroyable sur Steam. Oui, ça s'appelle Enshrouded. Enshrouded. Ouais, Enshroud. Il y en a une là. Il y a des Toki. Ouais. Ceux qui veulent des Toki. Roger cela, over. Over. Over, over. Roger cela, journée de mai. Ok. Moi je vais storer les lampes qu'on n'a pas appris. Vous avez tous pris des Toki ou... Oui, over. Il y a encore deux Toki et des clés là. Ah merde. Après, je sais pas si on prend tous des Toki parce qu'après il faut les. Ouais, bon, on en a. Ouais. Et on a encore de la thune. Ah merde, j'ai pris une clé au lieu de. Ouais, j'ai eu le même. Ils sont déjà partis les deux imbéciles là? Quels deux imbéciles? Tous partis. Oh super, merci les gars. On est trois, on est pas que deux. Mais... Merde, elles sont allumées. C'est pas grave. Où ça? Il y a des monstres. Ah non, c'est bon. Mais... Ok, c'est parti. Allez, fais gaffe, j'entends des bruits dehors. Hein. Tiens, il y a des abeilles là. Ah, oh, j'ai ma chaise qui descend, c'est un truc. Merde, je sais plus c'est par où là. Buté par les... Chaque fois dans ce monde là j'arrive pas à trouver l'entrée. Chiant. Par contre t'entends la musique aussi? Oui. Enfin j'entends une sonnerie de téléphone quoi, mais... Fais gaffe, y'a la tourelle! Ouais, attention à la tourelle, hein. Y'a rien là-bas, je suis allé, si jamais. Y'a rien! Ah, y'a rien là-bas. Y'a rien! Et vous avez trouvé des tourelles? D'accord!
trouver ta bière. C'est bien, c'est que je suis pas perdu du tout. Merde. Enfin, c'est la grosse merde. Y'a rien. Ah, des bières. Bien joué. Ouais. Non, c'est pas là, c'est ici, chaud. Ok. Pas quand rechargeant vos lobes ça vous soigne. Oui c'est vrai. Non, c'est bon. Attends, elle arrive, ouvre la porte, ouvre la porte, elle arrive, ouvre la porte, ouvre la porte. Bouge ton as. Ce coucou ni ce gagac. Vous voulez que j'aille chercher les trucs ou pas? Attendez, là, je vais poser mes affaires. Je vais poser mes affaires. Ah, après, on a déjà 300 dans le chip, c'est bon, je pense. Ah oui, ah, oui, sinon, pour un premier jour, ça va. Sinon, je vais chercher les abeilles et puis je meurs. Ah ouais, mais il y avait non, un chien non, dehors. Mais hein. On a la moitié de. Je me suis fait courser par un chien. Si on y va. Je suis désolé, mais on va pas tergiverser du coup, parce que la porte va se rouvrir, on va se faire bouffer. Gougou gagac. Ok. Bof, c'était pas foufi. Bah quand même 300 sur 700, c'est pas mal en un jour. Bah je pense que c'est grâce à la caisse de bière en vrai, parce qu'on a ramené quoi d'autre sinon, il y avait quoi? Il y a le petit cube là. Un cube. Une brosse à cheveux, ouais. Ok. Ça marche. Bonjour Kirby. Bon, the Gougou needs the gagac. Tu sais que si tu recharges une clé, ça fait apparaître un éclair dans le vaisseau. Oui, puis ça fait... et puis surtout, ça te coupe toute l'électricité du vaisseau. Oui, c'est très rigolo. Non. Tu veux recharger la clé, Mathieu, c'est ça? Non, je suis quand même pas si con, enfin. Allez, je vais trouver une autre planète, du coup.
Expérimentation, assurance, vaut Mars. Moi j'aime bien Mars. Ouais, Mars c'est sympa. Ok, moi je prends le TP, je crois. Est-ce que quelqu'un veut bien me TP dans Mars? Enfin, une fois qu'on sera arrivé. Oui, je m'en occupe. Oui. Alors attends, il faut que je change, il faut que je mette. Elle est où? Putain, ce bruit de changement. Je n'avais pas, je sais qu'il vient avec moi. La musique. Elle est où? Mars. Marion, je te TP. D'accord, je suis la seule à partir en mode aléatoire alors. Personne d'autre veut aller en mode aléatoire? Allez. Faut pas y aller à deux? Allez, viens, oui, venez. Allez. Parti! C'est bon? Allez! Ah, je m'entends.
Voilà. Bah alors, vous avez TP Anthony ? Non, j'ai TP Mathieu pour reprendre la corne qu'il avait dans le... Anthony, il a des objets en plus. Là. Ah. Il a pas de... Ah, arrête de mourir. Mais t'es con. Mais non. Mais putain. Mais non. Mais putain, arrête. Mais non. Mais arrête. Arrête, on va avoir des malus. D'accord, arrête, c'est bon. Quel enfer. Putain, Amy, elle est morte, quoi. C'est la pose Noémie, quoi. En plus, c'est oh, merde. Oh merde, oh merde, oh merde, il est devant des tourelles. Putain, le pauvre, il a l'air putain, perdu. Il a l'air vraiment peur. Putain, Anthony. Ah. C'est bon, il n'y a pas de monstre autour de nous, c'est bon. Non, Anthony, il est perdu. En plus. Tu sais, faut savoir s'arrêter des fois. Hein. C'est bon, j'arrête. Merci. Bon, je vais faire comme ça. Je vais arrêter de bouger, puis peut-être qu'ils vont comprendre qu'il faut me téléporter. Il est perdu. Je crois qu'il en a marre. Je crois qu'il est mort. Mais Anthony, il est mort là, non? Tony? Où est-il? Tony? Ah non, je crois que... Elle est mort? Je sais pas, il bouge pas. Ah, merci. Ah non, il est pas mort! Ah non, mais j'ai. Je croyais plus à sortir. En fait, quand j'ai vu que t'arrêtais de bouger, je me suis dit qu'il fallait te TP. Ouais, j'ai fait exprès d'arrêter de bouger, je me suis dit que t'allais comprendre. Mais. Putain, pourquoi on m'entend pas? Mais on t'entend, hein. Ah, moi j'entends plus. Ouais, on t'entend. Bah, moi je l'entends plus. J'entends aussi. Mais il me semblait parce que okay. Je te parlais, ouais, Marion, et tu me répondais pas avant. J'entends pas Anthony, c'est pas grave. Et Mathieu, qui a tué Noémie. J'ai pas fait exprès. C'est quoi, quoi, rien, rien. Mais, non, mais, ce que j'adore, c'est que vraiment, je faisais ça. T'es morte comment? Je ne pouvais pas le faire. Je mettais des petits coups de panneau à tête pour rire et puis il passe devant, je prends le panneau dans la gueule. C'était beaucoup trop drôle. Ah bon, il y a que Mars qui est bon là, donc on va rester là. Hein. C'est rien. Ça nous a rien fait de grave comme pénalité en fait. Ça va, j'étais déjà dans le vaisseau. Putain, mais Anthony, je l'entends pas, c'est dommage. Je crois que j'ai. Ouais, c'est embêtant. Oui, oui, il est activé. Vous m'entendez parce là que ou pas? Je ne l'entends pas. Ok, ok. Parce que Tat ne dit plus rien donc. Ah, mais parce que je sais pas quoi dire. Ah, mais c'est juste que. Parce qu'en fait, je parlais de te mettre des petits coups de panneau puis que ça faisait pouc. Puis. Bon, qui c'est qui veut que je le TP au bol? On est où là? Ah oui, on peut y aller au bol, c'est très bien. Allez! C'est vide. Oh. Oh, super, y a rien. Je suis enfermé.
attends. T'es enfermé. Enfermé. Oh, ça t'a enfermé. Ah ouais, c'est lock. Allez, j'ai pas de clé. Pas de clé non plus. Débrouille pas. Ah merde. En plus, mais merde. Bon, bah faut qu'on trouve une clé. Vous me voyez? Sont fermées à clé là où je suis. Je peux rien faire. Il y a des mines. Mais c'est tout. Ouais, je suis enfermée. Toutes les portes sont fermées à clé. J'ai vu que tu faisais des trucs et que tu t'étais resté enfermé, donc t'avais l'air de vouloir... En fait, toutes les portes étaient fermées à clé, j'avais zéro clé. Ah ouais, puis je voyais que tu faisais des clics, clics, clics. Par contre, Marion est morte, elle s'est fait bouffer par une fausse fire exit. Ah, super. Ouais, c'était un peu violent parce que je lui dis, attends, il y a l'air d'avoir une fire exit, elle a ouvert le truc sans réfléchir, et du coup... Bah, si tu veux, ouais, de toute façon, près de Marion, tu vois, elle s'est fait bouffer et on voit que son cadavre il flotte dans l'infini là. Attends, attends, je regarde. Ah ouais, ah ouais. Bon, bah, y'a pas que Marion. T'es de monde! Non, fallait pas me TP! Fallait pas me TP! Bah je suis désolé mais c'est un échec critique parce qu'on j'aime bien Tad qui me fait mais y'a quelqu'un qui est mort là, mais comment tu peux mourir? Et là elle clique sur la fire exit. Oui non mais t'inquiète pas, j'ai vu Mario mourir en direct de ce truc et puis j'étais là, non mais il faut que j'avertisse les gens et puis au fait vous aviez pas de Toki puis... Bah j'y retourne hein. Mais vous voulez prendre le TP au bol pour aller plus vite? Non, c'est bon, je repasse par la fire. C'est la fausse fire exit. C'est possible qu'il y en ait plusieurs fausses. Est-ce qu'elle s'active si on passe juste devant? De nouveau. Noémie, tu ne rentres pas dans cette putain de fire exit, c'est la fausse, hein. Non, je sais, j'ai récupéré des objets devant. Je vais essayer de sortir maintenant. Ouais,
faux, c'est la bouffée tate des variants, ça suffit. Ouais, comment est-ce que je te parle? Tu m'entends? Tu m'entends, Mathieu? Pour que tu parles, il faut que tu power le toki en appuyant sur Q. Tu m'entends? Tu m'entends, Mathieu? Si je veux t'essayer de parler, je t'entends pas, donc... Ah. Là, c'est bon, je t'entends. Tu m'entends? Ok, super. Oui, j'ai bien pensé que c'était celle-là, du coup... On va essayer de rentrer avec les objets, parce qu'en fait, il en manque que 160 pour réussir. Mais... Ouais, fais gaffe. Mais je sais pas par où passer. Attends, je vais essayer de passer par là. Oh non, il y a un cadeau. On va éviter, hein. J'ai pas beaucoup d'objets. Oh putain. Est-ce que j'ai... Non, mais je prends pas la gearbox. Laisse tomber. Est-ce que je pourrais passer? Alors, Noémie, on te dit qu'elle est morte. Covid, qu'elle est Covid, merde. Non, mais sérieux? Oui, y'a un truc qui peut tomber sur la tête, j'ai rien. Donc, tout repose sur toi désormais. Oh putain. Je sais pas par où rentrer. Ça devient difficile. Ouais. C'est 7h41, faudrait que t'arrives à rentrer si t'as assez d'argent. Je sais pas où est la porte de sortie. Oh, c'est un cul-de-sac, putain. Par là, vraiment. Y'a rien encore là. C'est celle-là d'où je viens. Ah, une autre porte. Hein. Ah. Allez, laisse-moi passer, putain. Oui. C'est la fire exit? T'es sûr que c'est pas une vanne? T'es sérieux? Si je meurs, on perd, hein. Ah, sérieux, cette fire exit, elle a l'air bonne, hein. Ok, d'accord. Par contre, je t'avertis, autour du vaisseau, il y a plein de monstres. Le vaisseau. Putain, mais quel échec!
Y'a rien qui me va.